le monde serait frappé par surprise. Le système de communication connecté à la flottille de sous-marins américains de classe Ohio serait le premier à recevoir l'ordre. En patrouille dans les profondeurs des océans Atlantique et Pacifique, ils sont indétectables. Sur les 18 sous-marins, 14 sont équipés de 24 missiles Trident chacun, Trident 1 et Trident 2. Les 4 autres sont armés de 154 missiles de croisière Tomahawk, pouvant être équipés d'une ogive nucléaire. L'ensemble de la flottille représente la moitié de l'arsenal thermonucléaire des États-Unis. Un seul missile Trident 2 peut contenir jusqu'à 8 ogives nucléaires, embarquées sur un engin à multiples têtes nucléaires indépendantes, appelé MIR. Une seule ogive W88 libère l'équivalent de 475 tonnes de TNT. Dans le cas d'un déploiement total, les États-Unis ont la capacité de lancer environ 400 missiles, équipés de 6 à 8 ogives chacun. À compter du lancement, il faut moins de 10 minutes au SLBM pour atteindre sa cible, ou tout juste 5 minutes s'il est propulsé sur une trajectoire en dépression. Cela ne laisse que peu de temps pour réagir. Les premières lignes de radar en Russie, en Chine et ailleurs détecteront immédiatement la pluie de missiles. Ils pourront déterminer leur trajectoire et leur cible. Les minutes se transformeront en secondes. Ce n'est pas un test. Ce n'était pas prévu. Les systèmes de contrôle et de commande de l'arsenal nucléaire russe, établi sous l'ère soviétique, ne laissent que peu de temps pour écarter ou pour retarder une riposte totale. En 50 secondes, le missile atteint le sommet de sa trajectoire au-dessus de l'atmosphère terrestre. Il est à vitesse maximale. Puis son moteur s'arrête. Le dernier étage éjecte les ogives en même temps que les leurs. Au sol, les systèmes radars sont dépassés. Ils ne parviennent pas à les différencier l'un de l'autre. Au moment où ils pénètrent dans l'atmosphère, les leurs brûlent et les ogives entrent dans leur phase terminale. Il leur faudra moins de 180 secondes pour atteindre le sol.
That goes off in full in the first shot. Now you have in the submarines, you have the warheads you have not yet discharged. Those go along the way as a second wave. After that, you're pretty much out of weapons. After which, most everybody is dead. Most logistical systems are dead, non-functional. You have a situation where the effect of this kind of firing creates a continuing effect which may go for several years. Now, instead of having one bomb, which is a nuclear super bomb with thermonuclear implications. Now, imagine you have the same kind of thing, or less, and you have not one big bomb. You have a whole barrage of such things. The exchange involves Russia. It involves China, which has a very significant thermonuclear arsenal. It implicitly involves India. It involves the United States. It involves the extermination, virtually, of Western Europe. And this is what Obama represents. It's what he's intended. This is the end of civilization. The flash was unimaginably bright. As the rain fell, the wind grew stronger and stronger, and suddenly, probably because of the tremendous convection set up by the blazing city, a whirlwind ripped through the park. They all felt terribly thirsty and they drank from the river. At once they were nauseated and began vomiting, and they retched the whole day. Others were also nauseated, probably because of the strong odor of ionization, an electric smell given off by the bomb's fission. It was very crowded, and to distinguish the living from the dead was not easy, for most of the people lay still with their eyes open. You reached down and took a woman by the hands, but her skin slipped off in huge, glove-like pieces. Those who had their faces upturned when the bomb went off, they were all in exactly the same nightmarish state. Their faces were wholly burned. Their eye sockets were hollow. The fluid from their melted eyes had run down their cheeks. Their mouths were mere swollen, pus-covered wounds, which they could not bear to stretch enough to admit the spout of a teapot. La population mondiale est actuellement de 7 milliards d'individus. L'arsenal nucléaire global représente approximativement 5000 mégatonnes. À la suite d'une confrontation nucléaire générale et des pertes immédiates en vie humaine causées par l'impact,
ainsi que par la dévastation des territoires alentours, les conséquences sociales, climatiques et environnementales dureraient pendant des années. Les projections de poussière et de fumée provenant des villes en flammes et des autres lieux touchés seraient équivalentes à une éruption volcanique, mais sur une période de temps beaucoup plus longue. Un conflit nucléaire régional mobilisant seulement 0,03% de l'arsenal nucléaire mondial pourrait injecter 1 à 5 millions de tonnes de poussière de carbone dans l'atmosphère. Une attaque au printemps ou en été, ou une attaque dans la région subtropicale, provoquerait inévitablement le réchauffement rapide des injections de fumée qui absorberaient les ondes radioactives courtes et s'élèveraient. Il ne faudrait qu'une semaine à tout ce qui n'a pas été immédiatement nettoyé par les pluies noires pour atteindre la troposphère et la couche supérieure de la stratosphère et y stationner pendant de nombreuses années. Les nuages de fumée et l'absorption des particules résiduelles entraîneraient une baisse générale des températures à la surface du globe. Alors qu'un conflit nucléaire régional pourrait faire chuter la température globale de 2 degrés Celsius, une confrontation nucléaire à grande échelle la ferait chuter de 7 degrés, ou plus. Au milieu du dernier âge glaciaire, il y a 18 000 ans, la température était de 5 degrés inférieure à la nôtre. Une baisse de 2 degrés plongera dans la famine des milliards d'êtres humains vivant loin des lieux directement touchés. Les saisons pour les cultures agricoles seraient réduites de 3 semaines, anéantissant les récoltes. Un changement de 5 degrés suffirait pour réduire à néant toute l'agriculture canadienne. Si les réserves mondiales de céréales n'étaient pas détruites par l'échange initial, elles ne dureraient de toute façon que 71 jours. Et il faudrait compter avec la destruction partielle ou totale des moyens de transport. Le changement climatique brutal perturberait le cycle hydrologique mondial et l'ensemble des précipitations pourrait décroître de 45%. Le niveau de radiation totale pourrait s'élever à la moitié de la dose mortelle pour l'homme. Même dans les régions les plus reculées par rapport aux latitudes du conflit. Si des centrales nucléaires, des usines d'enrichissement ou de stockage de déchets étaient balayées, cela aurait un impact à très long terme sur les survivants. Il ne s'agit là que d'une projection linéaire des conséquences d'une guerre nucléaire. Mais l'on sait que les effets qui ne peuvent pas être calculés sont à peu près aussi importants que ceux que l'on peut prévoir. Dans tous les cas, il y a une très grande incertitude. Depuis 30 ans, de nombreux scientifiques ont essayé, à l'est comme à l'ouest, d'estimer les conséquences. Toutes leurs études ont convergé vers cette vision. This is a full scale commitment to an attack on the entire Eurasian continent, especially the Asian side. And it's a military operation with a full panoply of every kind of weapon for general, essentially a nuclear warfare capability, with all components, submarines, various kinds of ships, a vast accumulation of US troops in that whole region, with auxiliary side in, you're looking at World War III. And nothing less than that.
à la fin de l'année 2011, le président Barack Obama inaugurait le siècle Pacifique, ou pivot Pacifique, visant à étendre la présence militaire américaine sur les théâtres d'opérations navales des océans Pacifique et Indien. Cette expansion a été perçue comme une tentative de contenir la Chine et d'affaiblir sa souveraineté dans la région par une présence accrue à ses frontières. Le rééquilibrage d'Obama vers le Pacifique implique des plans dont la mise en œuvre est prévue au cours des prochaines années pour établir à Singapour 4 frégates de combat en zone littorale, offrir aux États-Unis un meilleur accès à la base navale australienne de Perth et porter à 2500 le nombre de soldats stationnant à Darwin. Des plans existent également pour porter à 28 500 le nombre de soldats en Corée du Sud, renforcer les troupes sur l'île de Guam, dans les Philippines, au Japon, et pour maintenir le déploiement actif de ses porte-avions. La Chine a répondu à cette présence accrue des États-Unis dans le Pacifique par la stratégie anti-accès, visant à maintenir ses adversaires hors des territoires stratégiques longeant la frontière chinoise, particulièrement en mer de Chine orientale. De plus, la stratégie pacifique des États-Unis prévoit également la mise en place d'un bouclier antimissile en Corée du Sud, au Japon et en Australie, faisant face à l'Asie et au Moyen-Orient. En réponse à ce qui est vu comme une course à l'armement, la presse chinoise a indiqué qu'afin d'assurer sa sécurité, la Chine allait accroître son arsenal nucléaire et développer des sous-marins d'attaque nucléaire équipés de missiles balistiques capables de détruire les systèmes de boucliers antimissiles américains. Plus tard, au cours du printemps 2012, plusieurs avertissements ont été lancés sur le fait qu'un tel système antimissile forcerait la Chine à changer sa politique nucléaire traditionnelle. Si elle était menacée, elle pourrait revoir sa politique qui exclut toute première frappe et considérer l'éventualité d'une attaque nucléaire. We've begun a review that will identify our most important strategic interests and guide our defense priorities and spending over the coming decade. So here is what this region must know. As we end today's wars, I have directed my national security team to make our presence and mission in the Asia-Pacific a top priority. As a result, reductions in U.S. defense spending will not, I repeat, will not come at the expense of the Asia-Pacific. My guidance is clear. As we plan and budget for the future, we will allocate the resources necessary to maintain our strong military presence in this region. Depuis son investiture en 2009, l'administration Obama a accéléré la mise en place du bouclier antimissile en Europe, malgré la proposition russe de développer conjointement un système équivalent. En mai 2012, l'OTAN a déclaré que la phase 1 du bouclier était opérationnelle. La phase 1 inclut le déploiement de systèmes de défense contre les missiles balistiques le long de la frontière russe. Les États-Unis ont également déployé un radar antimissile en Turquie. En mars 2011, un navire Aegis destiné à la défense antimissile a été envoyé en mer Méditerranée. Il s'y trouve toujours. Un accord a été conclu avec la Roumanie pour accueillir un site américain équipé d'intercepteurs de missiles. D'autres accords ont été conclus avec la Pologne pour y ouvrir un site similaire. L'Espagne a autorisé les Américains à déployer dans la base navale de Rota 4 de leurs destroyers Aegis, équipés de systèmes antimissiles et de missiles Tomahawk, capables de lancer des ogives nucléaires.
En réponse à l'inauguration de la phase 1, Nikolai Makarov, le chef d'état-major des forces armées russes, a averti que bien que la coopération entre la Russie et les États-Unis pour un système antimissile commun était une option tout à fait envisageable, la construction d'un bouclier antimissile aux frontières de la Russie était perçue comme une provocation et une atteinte à la sécurité russe. Les militaires envisageraient donc l'option d'une frappe préventive contre les sites américains, avec des missiles tactiques Iskander lancés depuis Kaliningrad, d'une portée allant jusqu'à 400 km et pouvant être équipés de têtes nucléaires. Размещение новых ударных вооружений на юге и северо-западе России для огневого поражения комплексов противоракетной обороны, включая развертывание ракетного комплекса «Искандер» в Калининградской области, представляет собой один из возможных вариантов разрушения инфраструктуры ПРО в Европе. С учетом дестабилизирующего характера системы ПРО, а именно создание иллюзии нанесения безнаказанного разоружающего удара, принятие решения об упреждающем применении имеющихся средств поражения будет приниматься в период обострения обстановки. Au début du mois de février 2012, en refusant de soutenir la résolution 1973 de l'ONU sur la Syrie, la Russie et la Chine ont indiqué la ligne rouge à ne pas dépasser dans ce pays et implicitement en Iran. Elles ne tolèreront plus d'opérations visant à des changements de régime ou des interventions bafouant l'engagement des Nations Unies à défendre la souveraineté des pays et réagiront par l'emploi de la force si nécessaire. Параметры, которые прописаны в этом договоре. Одновременно будет развернута очень широкая работа к тем, чтобы все страны или весь ядерный клуб, который очень обширен сейчас, подключились к этому договору. Мы понимаем, что так нельзя. Радикалов. Я уже не говорю, что в какой-нибудь момент такие действия, которые подрывают государственный суверенитет, могут закончиться вполне себе такой полноценной региональной войной. И даже никого не хочу пугать с применением ядерного оружия. Lors de son discours devant la 18e Assemblée des Nations Unies, le président John Kennedy avait averti que même les petites guerres sont dangereuses dans un monde nucléaire. Pour l'instant, l'éventualité d'un conflit mondial a été contenue grâce à l'intervention ferme et préventive des chefs d'état-major américains et des dirigeants politiques et militaires russes. Parallèlement, la dégradation de la situation économique dans la région transatlantique nous conduit vers un effondrement imminent, tandis que la zone eurasiatique bénéficie d'une relative prospérité. Suite aux mesures hyperinflationnistes mises en place en 2008 et continuées sans relâche jusqu'à aujourd'hui, le système économique transatlantique est dans un tel état de ruine qu'il n'est même plus possible de maintenir l'apparence du pouvoir économique qu'il avait 30 ans auparavant. Plus personne ne croit en l'illusion du redressement. De la même façon, l'OTAN n'a plus le pouvoir militaire qu'elle avait pendant la guerre froide. Seuls le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, sur l'ensemble des pays membres de l'OTAN, possèdent un arsenal nucléaire. L'on estime que la France possède un stock de 300 ogives, la Grande-Bretagne 225, dont 160 têtes nucléaires actives. Ce sont ces trois pays, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis, qui, après avoir collaboré pour éliminer le chef d'État libyen, se montrent les plus déterminés à mettre fin au régime de Bachar el-Assad.
quitte à franchir la ligne rouge tracée par la Russie. Cet enthousiasme des Occidentaux se traduit ouvertement par l'armement de groupes terroristes en Syrie. Ils revendiquent le droit d'appliquer les politiques d'intervention humanitaire défendues par le véritable architecte de la guerre en Irak, Tony Blair. Aux États-Unis, Obama est personnellement engagé dans une intense campagne de propagande visant à justifier une intervention militaire en Syrie et au-delà. That a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. That would change my calculus. That would change my equation. Une telle attaque forcerait immédiatement les grandes puissances que sont la Russie et la Chine à intervenir. Inévitablement, les États-Unis utiliseraient les meilleurs atouts de leur arsenal nucléaire. The trajectory of a ballistic missile launched from the Pacific Ocean or Atlantic Ocean, the normal patrol areas of the Ohio-class submarine, would most likely cross China or Russia, assuming the target to be somewhere in the Middle East or Asia in general. This has two significant implications. First, the U.S. would have to inform Russia or China of its intentions prior to initiating a strike from a submarine, if either of those two nations was not the intended target, which blunts the effectiveness of the strike. Second, the launch acts as a datum for the submarine itself. If the launch platform is also carrying nuclear weapons, the effect of launching a missile makes the entire submarine and its nuclear payload more vulnerable. Assuming that other nations have been informed of an intention to launch a strike from a ballistic missile submarine, this may afford a nation an opportunity to actually destroy the submarine. For these two reasons, it is unlikely that any U.S. president will execute a non-nuclear strike from an Ohio-class submarine on strategic deterrent patrol. En août 1983, se tenait à Erice, en Italie, une conférence sur les moyens technologiques pour bâtir la paix. Son président, Antonino Tzigiki, y a montré quelles seraient, pour l'humanité et pour la planète dans son ensemble, les conséquences de l'entrée en scène d'une personnalité assez folle pour provoquer une confrontation thermonucléaire mondiale. Il rappela que l'histoire n'a jamais manqué de fous. Tôt ou tard, dans 10, 20, ou peut-être 100 ans, un fou émergera. Et quand ce fou entrera en scène, l'humanité subira la perte de centaines de millions de vies. 50% de la couche d'ozone sera détruite. La température moyenne de la planète chutera d'au moins 7 degrés. Et une très forte radioactivité empoisonnera l'atmosphère. Des montagnes de cendres recouvriront les vastes trésors accumulés à travers le monde par des siècles de travail et d'intelligence. En matière de guerre thermonucléaire, la décision ultime repose sur la personnalité des chefs d'État impliqués. Le choix des Américains d'être dirigés par Dwight Eisenhower a permis, grâce à sa gestion de la crise de Suez, d'éloigner la menace d'une escalade inévitable vers la guerre nucléaire. Avec John Kennedy comme commandant en chef,
les Américains ont désigné une personnalité dévouée au progrès et à la paix. Et c'est ce qui a guidé sa main dans les négociations avec Nikita Khrouchtchev, lors de la crise des missiles de Cuba, puis à Berlin, aboutissant à un accord interdisant les essais nucléaires atmosphériques. Aujourd'hui, les Américains ont choisi Barack Obama, qui dès le début de sa présidence mettait déjà en mouvement les instruments susceptibles de déclencher un holocauste nucléaire mondial. Obama, on his part, is clinically insane. His state of mind, as manifest, is that of a clinically insane person. And it's a clinical insanity of the neurotype. So therefore, he is in a mood and on a road toward his own self-annihilation, whether as a personality or even more drastic measures. That is coming. This man is a type who is capable of suicide. This may be the first clear suicide case in the U.S. presidency. He's in the direction of getting there. Whether he actually gets there, the fact remains, he's now developing rapidly in that direction. Le peuple américain se rendra bientôt dans les urnes pour élire le prochain président des États-Unis. Des estimations et des rapports récents montrent que le déploiement de l'arsenal militaire américain, en particulier naval, atteindra son niveau maximum dans les prochains mois, avant que n'intervienne la fin de certaines missions ou les coupes de budget pour d'autres. Si une attaque devait être lancée, ce serait maintenant, dans les prochains mois. Si une attaque devait être empêchée, ce serait maintenant.